Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Salut tout le monde, c'est Elysium, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter mon garage sur Forza Horizon 3. Donc voilà, j'ai un garage pas mal hein. Donc mes voitures. Donc voilà, déjà j'ai la BMW i8. Donc voilà, c'est vraiment un bon véhicule. Donc d'ailleurs je vais aller le tester. Tous les véhicules que je me sers beaucoup, enfin tous les véhicules que j'aime bien, on va les tester. Par contre, il faut juste que j'éteigne la musique. Oh, voilà, donc elle a une bonne accélération, la 8. Elle est assez rapide. Hein. Donc je l'ai tunée, mais je crois que je l'ai pas mise à fond celle-là. Je suis pas sûr. Bon, je vais faire un petit tour hein, vite fait histoire de vous faire un petit peu de conduite quand même. Bon, là, si j'ai conduit dégueulassement, c'est normal. Hein. Attendez, juste je vais éteindre. Voilà, radio désactivée. Et vous voyez que voilà, là j'accélère à fond, les pneus ils dérapent presque pas. Et puis elle monte quand même à allez, 12 000 tours minute. Bon, même si après c'est dans le rouge, elle monte à aller 10 000 facile. Je vais essayer de la pousser à fond pour voir à combien elle monte. Alors attends, on va faire ça. On va le monter quasiment 11 000 quoi. Alors, pour ceux qui se demandent comment je fais ça, je suis en manuel. Hein. J'ai les palettes pour passer les vitesses. Comme sur certaines voitures en vrai. Hein. Il y a un truc aussi que j'adore faire, c'est genre ça. Là, je suis vraiment en sous-régime, j'accélère et là... Comme ça. Je vais vous le refaire sans mon bruitage dégueulasse parce que... Comme ça, vous pouvez entendre le bruit. Voilà, pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien le bruit, j'aime bien. Donc là, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais retourner sur mes pas, je pense. Allez, avance. Aussi pour drifter, je vais essayer parce que c'est vrai que je drifte rarement avec cette voiture. Je drifte beaucoup avec la BMW 3, mais. Ouais, bon. Je suis arrivé un petit peu vite dans le virage quand même. J'ai tenté le diable. Non, mais sinon, je trouve que vraiment cette voiture elle est très agréable à conduire. En plus, elle est belle, franchement. J'aime bien. On dirait un peu un ovni, mais bon. Regardez, elle est en deuxième à 150. J'ai regardé en deuxième à combien. En première, j'ai regardé combien elle monte. Regardez, 130 en première. 150, presque 160 en première. C'est dingue. Alors là, je regarde plus le compteur. Hein, donc, je regarde en deuxième. À combien elle pousse. Pousse. Ouais, 230. C'est énorme. Tu en plus, j'ai battu mon record personnel en deuxième. Enfin, en seconde, en deuxième, c'est pareil. Et d'ailleurs, vous savez qu'on est en deuxième et pas en seconde. Pourquoi? Parce que quand on dit seconde, c'est qu'il n'y a plus rien après. Et deuxième, c'est quand il y a encore quelque chose après. Je voulais faire un petit truc pas mal là, puis il y a le drive attard qui me bloque. Voilà, hop, la petite zone de drift là, pas mal. Bon, non, elle est pas dégueu hein, pour drifter, moi j'aime bien. Ah! Dommage, dommage. Par contre, il est où l'avant-poste là? Moi, il est à gauche là. Wow. Ça faisait partie de mon plan. Bon là, deux fois je parle pas, c'est parce que je vous laisse écouter le bruit du véhicule. Qui est vraiment pas mal, hein. Moi j'aime bien le bruit. Merde, je me suis trompé de chemin. Aïe, ça fait mal. Ah ouais, c'est vrai qu'en plus j'ai les dégâts. J'avais oublié ce petit détail, j'avais laissé les dégâts. D'habitude je les enlève, mais... Ah oui, bah oui, là je suis pas en multi. Parce que quand je suis en multi, je les enlève. Quand je suis en solo, je les laisse. Wow. Ouais, bon, là je conduis comme un pied, hein, je sais. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas conduit sur ce jeu. Bah, depuis que je suis parti en vacances. Alors, garage, on va aller voir ce qu'est-ce que j'ai d'autre. Donc, la Aston Martin Zagato. Ah, celle-là, ça c'était un des mes tout premiers véhicules, il est surpuissant. Vous allez voir, mais je l'ai boosté à fond celui-là, mais... Putain, il monte à plus de 300. Et déjà comment il dérape là. Seconde, il dérape. Et troisième, il dérape un petit peu. Comment il est rapide. Attendez, pour changer un peu, je vais prendre à... Ah non, c'est l'avant-poste de la plage, celui-là, non? Ouais, c'est l'avant-poste de la plage.
Donc non, je vais pas prendre à gauche. Je voulais prendre à gauche, mais pas la droite. Attends. J'ai vu un téléphérique en haut, ma parole. Ah, regardez. Ah, c'est une montgolfière. Mon téléphérique. Putain, j'ai dit un téléphérique. Troisième, elle dérape encore. Merde. Quel con. J'ai rayé ma belle R8. Elle a 7 vitesses. Elle a des plus de 300 là. Oh là là, par contre, j'ai pas conduit là. Faut vraiment que je me réhabitue à conduire dans ce jeu. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout pareil que GTA. Et elle monte quasiment 400, ma ramée. Non, elle va monter à 400. Oh, j'ai failli monter à 400. Attends, je vais faire le retour pour retourner à l'avant-poste. C'est un truc que ça, j'adore ça dans Forza, c'est les plaquettes de frein qui chauffent. Wow. Ah ouais, tu veux faire la course, c'est sûr. Frérot, tu vas vite lâcher. Hein. Avance, oui. Attendez, je suis sûr, elle monte à 400 en vrai. Merde. S'il te plaît, monte à 400. Je m'en fous, je refais encore le l'autre chemin. Parce que là, j'ai fait nimp aussi. Je refais le retour. Allez. Déplacement par la gauche. Et non, là on n'est pas en France. C'est par la droite qu'il faut dépasser. Oh my god. Comment je sais pas conduire. C'est grave là. Non. Oh putain. Attendez, je vais me téléporter à l'avant-poste. Non, je m'en fous, je veux monter 400 avec cette bagnole. Attends, je suis monté à 393. Si elle monte pas 400, vous imaginez, elle s'arrête à 399. Oh, j'ai le seum. À mon avis, elle avait encore un peu de patate. Pour le véhicule surpuissant, comme j'ai dit, je l'ai modifié. Et lui, il m'a rayé, le fils de... Wow, c'est hard comment elle dérape. Bon, ok, je sais pas conduire, mais bon, quand même. C'est très chaud de conduire un véhicule comme ça. Encore la 8. Ok, j'ai conduit comme de la merde, mais c'est pas pareil. Alors que là, vraiment, je suis sûr que... Voilà, même un expert comme ça, tu lui donnes une voiture aussi surpuissante, c'est... Je sais pas. Et merde. En plus, elle tourne pas, elle a pas de direction. Non, mais c'est vrai que le véhicule, pour conduire, il est catastrophique. C'est pas avec ça qu'on peut conduire. Ça, c'est une voiture pour le drag, à la limite. Hein. Je te jure. Ouais, c'est vrai que ça pourrait faire une bonne manuelle de drag, ça. Allez, là, je suis pas mal. Là, je suis pas mal. Allez. Allez. Oui. 408. Freine, freine. Oh putain, j'ai voulu freiner doucement, mais bon, au final je me suis bouffé. J'ai plus de rétro. Tu peux faire du drift juste en accélérant, quoi. Wow. Putain, lui regarde pas son rétro. Oh, moi j'en ai plus. Catastrophe, les gars, catastrophe. Je vous jure, j'ai honte de cette vidéo. Xeno, il va regarder ma vidéo, il va m'insulter. Parce que lui, c'est un peu l'expert des Forza, si vous voulez. Il achète souvent tous les Forza. D'ailleurs, c'est grâce à lui que je peux aujourd'hui vous faire une vidéo sur ce jeu. Car c'est lui qui l'a acheté. Moi, je vais passer FIFA 17. Lui, il m'a passé Forza Horizon 3. Puis d'ailleurs, je vais lui passer FIFA 18. Peut-être que Forza Horizon 4, il l'achète. Enfin, voilà, de toute façon... C'est, on se calcule pas ça, hein, en mode ouais, moi j'achète un jeu donc faut que tu m'en achètes un. Si voilà, on achète et puis voilà. Puis voilà, on se met juste d'accord s'il y en a qui achètent un jeu, voilà, pour pas que les deux achètent parce que ça serait con. En bref, je s'en bats les couilles, pourquoi je raconte ma vie là. Voilà, catastrophe. Je vous jure, je vais essayer de me conduire maintenant. Alors, je vais prendre le... Bon, je vais pas vous montrer tous les véhicules que j'ai. Quelques-uns seulement. Non, la Bentley, j'ai pas voulu la... Ah, quoi que si, elle fait un bon bruit, la Bentley. Allez, parce qu'elle fait un bon bruit. Après, je vais peut-être vous montrer juste la M3. La M3. Puis c'est tout, je pense. Enfin, c'est tout pour les BM.
Regardez, ça se fait un bon bruit. Par contre, j'ai pas fait un grand tour. Je sais, à chaque fois, je vais mesurer la pointe de vitesse des véhicules. Ah, c'est déjà mieux à conduire. Ok, elle est plus lourde, mais voilà quoi. Il y a 8 vitesses dessus, ouais. Oh, il fait quoi lui? Je vais faire le truc là pour partir un petit peu en force. Attends. Voilà, je kiffe le bruit de la Bentley là. Bon. Alors, on va mesurer sa pointe de vitesse. Oh putain, merci. Il s'est décalé quoi. Tourne, c'est bon. Ouais, c'est déjà plus facile à contrôler. Hein. Par contre, j'ai toujours peur qu'il y ait un fucking drive à tort ou quoi. Ouais, 345, pardon. Putain, lui, je l'ai tué, lui. Prends les plaquettes de frein, elles sont belles avec les jantes, là. J'aime bien. Oh, ce bruit, là. J'adore là quand on est en sous-régime, qu'on rétrograde comme ça, mais... c'est trop bien, bon, quelle imitation, hein, évidemment. Alors des fois je joue en manuel et embrayage, bon c'est catastrophique. Je dis que je sais pas conduire, alors... Autant dans GTA j'arrive bien à conduire, mais dans Forza... Et toi, mange, t'es mort. Mais dans Forza c'est catastrophe, hein, je pense que vous le voyez, hein, mais c'est catastrophe. Et voilà, vrai, réparer tout seul. Ah, c'est déjà quand même 12 minutes et quelques de vidéo. Hein. Le temps passe vite quand on s'amuse. Alors, genre, ça, je vais pas vous la montrer. Quoique, enfin, putain de bruit, mais bon. Alors, la M4, non. C'est laquelle déjà? Celle-là. Le livret, c'est moi qui l'ai fait. Hein, chez... Dites-moi si vous aimez. Je me suis inspiré d'un vrai livret que j'avais regardé sur internet. Juste les pubs qui changent parce qu'il n'y a pas les mêmes pubs, mais ils sont placés au même endroit. Popopo. Abîme pas ma M3, gros. Non, mais j'y tiens, ma M3, sérieux. Le game. Oh, regarde, tu peux pas se décaler, ces fils de pute. Je vous jure, les dravateurs, ils sont casse-couilles en vrai. Putain, il m'a niqué ma M3, le bazar. Heureusement que je suis en superficiel, que ça nique pas le moteur. Bon, regardez maintenant, elle est dégueu. Puis s'il pleut. Pour ce bruit. Comme toujours, on va mesurer la pointe de vitesse. Dans ce véhicule là, normalement, je suis vraiment habitué à le conduire. C'est vrai que je le conduis bien, normalement. Heureusement que c'est qu'il pleut, comme ça je peux voir les phares des véhicules, c'est mieux. Par contre, ça met un petit peu mon maniable quand même. Hein. Je monte à 331. Vitesse de pointe 331. Donc, petit drift là pour la route. C'est catastrophique avec les drifts ou la pluie. Ah, normalement ce véhicule je le conduis bien. Je me rappelle qu'on faisait des... à l'époque où avant que ce soit patché au début du jeu, il y avait le tour de la map là. En fait, genre on faisait 3 tours, ça nous prenait genre 1 heure. Avec Neos Gamer, mon ancien chef de team. Et moi je prenais même 3, on faisait que faire des drifts et à la fin on gagnait, je sais pas, peut-être 1 million. Bref, on se faisait vraiment des couilles en or, enfin encore, même pas 1 million, beaucoup plus qu'un million. 1 million c'était de la merde quand même. Puis c'est vrai qu'avec Forza Hub on reçoit 125 000. Enfin moi personnellement, comme je suis assez bas niveau, je reçois 125 000 par mois, je crois que c'est. Genre, je sais qu'un pote à moi, il reçoit je crois 500 000 toutes les semaines. Enfin voilà, Eraser, si tu regardes cette vidéo, voilà. Corrige-moi. Peut-être que tu vas la regarder comme si sur Forza Horizon. En tout cas, si tu la regardes, je te passe le salut.
Alors, je vais prendre une dernière voiture, comme ça, ce sera bien. Ça fait une vidéo pas trop longue, pas trop courte. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous prendre? Viper, un véhicule qui a un bruit de schlag. Non, pas un bruit de schlag, justement. Qui fait un bruit de... putain de bruit. Oh, j'ai bien dû prendre l'incesto. Tiens, je vais prendre une petite... ah, voilà, je sais qu'est-ce que je vais prendre. Ma voiture de prédilection. Ça, c'est ma voiture de prédilection dans le jeu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la CLA AMG. Mais s'il y avait la CLA AMG, ce serait évidemment celle-là. C'est le véhicule que je veux en vrai. C'est le véhicule de mon oncle, d'ailleurs. Mais ce véhicule, pop, 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 pop. Oh, le bruit. Oh, oh. Oh, ça fait longtemps. Par contre, le premier qui me touche à ma C63, je vous jure, je vous encule. Il y en a un qui me rentre dedans, alors que j'ai ma C63. Je vous jure, je l'encule sa mère comme à Palerme, comme il dirait la crime. Oui, là, c'est de ma faute, par contre. Attends, j'étais mal parti. Oh là 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 là, ce bruit. Ce bruit. Ah, la petite sirène de police là, qui passe bien. Police, arrêtez-vous. Je crois que ce véhicule, c'est celui-là que je sais le mieux conduire du jeu. Avec la 8 quand même. Merde, merde, merde. Bon, alors du coup, on va le calculer la pointe au retour parce que j'ai pas regardé. Mange tes morts, la pute, fils de pute, va. Attends, lui, c'est quoi King Galaxy? Attends, je vais voir s'il est connecté, ce fils de schlag. King Galaxy. Il est où, lui? C'est-à-dire, il est connecté ou quoi? Ou sur comment? Mais non, il est pas connecté. Attends. Puis on s'en bat les couilles, mais c'est un gros schlag, wesh. Regarde, il m'a niqué mon aileron, le bâtard. Avec ta bagnole turquoise, là. Trou de cul, va. En plus, il veut me suivre, ben, nique ta mère. Merde, je me casse, tu me rattrapes plus. Gros schlag. Peut-être, mais il arrive pas à me suivre, le con. Avec sa bagnole de merde. Putain, maintenant elle est niquée ma caisse, gros schlag, va. Course en convoi jusqu'à la nique ta mère, j'ai pas envie d'aller faire un course en Bayern B, moi. Putain. Et ouais, maintenant que j'ai plus d'aileron, là, la voiture elle est plus stabilisée. Attends, c'est un jeu de simulation. Elle est plus plaquée au sol. Putain, dégoûté, là. Maintenant elle est dégueu, maintenant j'en ai... maintenant je m'en... J'arrête de bien conduire, je m'en bats les couilles. Maintenant qu'elle est niquée, mais ouais. Du coup, on n'a même pas regardé la pointe de vitesse. Ah, elle est mieux comme ça quand même. Hein. La petite 63 là. 663. Bon, bah voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Forza Horizon 3 vous aura plu. C'était Isium. Et ciao tout le monde.